السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوديزان، مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله امتحان السنة أولى متوسط، رانا سمحنا فيهم بزاف، دونك قلت ندير لهم امتحان. بقاو معايا نقرا لكم النص ان شاء الله والاسئله، وتلقاو رابط صفحه الفيسبوك دروس الفرنسيه مع ام يقين، تلقاو الموضوع مع الحل مكتوبين. دونك نبداو ان شاء الله نقراو النص مع بعض. دونك اون فا كومونسي لا ليكتور دو تيكست. Grâce aux progrès scientifiques et techniques, l'humanité a réellement franchi un pas gigantesque vers la modernité et le bien-être. Comment l'homme a-t-il profité de ce progrès dans sa vie? قالك بفضل التطور العلمي والتقني الإنسانية تقدمت تقدم كبير للعصر العصرنة والراحة النفسية. alors الإنسان كيفاش انتفع بهذا التطور في حياته؟ le progrès scientifique c'est-à-dire les avancées de la science. قالك التطور العلمي معناه التقدم في العلوم. a fait augmenter la productivité. طلع يعني عطانا التطور وطلع في الانتاج. les moyens de transport tels le TGV, l'avion, le tramway. قالك وسائل النقل كيما TGV. TGV ما عندناش في الجزائر، كاين في الدول الاوروبيه. l'avion طياره والتراموي عندنا. nous permet de nous déplacer plus rapidement. قالك هذه وسائل النقل تعطينا فرصه باش نتنقلوا بصفه سريعه. aussi les moyens de communication. ايضا وسائل التواصل comme le téléphone portable, le fax, le courrier électronique. مثل le téléphone portable, téléphone, le fax, le courrier électronique nous permettent d'être en contact avec nos proches à n'importe quel endroit du monde en un instant. قال لك بفضل هذه الوسائل التواصل نقدروا نتواصلوا مع الاقرباء تاعنا في اي مكان في العالم في en un instant, يعني في ثانية. de ce point de vue, بهذا الرأي, on peut de ce point de vue, on peut dire que ces nouveautés technologiques sont devenues très importantes dans notre vie de tous les jours. قالك بهذا الرأي نقولوا بأن هذه التكنولوجيا الجديدة أصبحت مفيدة جدا ومهمة جدا في حياتنا اليومية. دونك قرينا النص وشرحناه، نروحوا نشوفوا الأسئلة مع بعض. نبداو في الأسئلة les questions. la première question, de quoi parle-t-on dans ce texte? هذا le texte, النص تاعنا, il parle de quoi? quel est le thème de ce texte ou quel est le sujet de ce texte? ينجم يقول لك de quoi parle-t-on dans ce texte ou quel est le thème traité dans ce texte ou quel est le sujet traité dans ce texte. هادو كاع أسئلة كيف كيف. très bien. deuxième question, réponds par vrai ou faux. vrai, صحيح, faux, خطأ. نشوف لي فراز تاعي نشوفهم في النص ونشوف اذا كاين نيغاسيون كاين دي سينونيم il faut faire attention. le progrès de la science nous a facilité la vie. vrai ou faux. les moyens de transport sont de plus en plus rapides. les moyens de communication nous ont éloigné l'un de l'autre. نروح نشوف في النص ونشوف اذا صحيح او خطا. 3 classe les moyens qui suivent dans le tableau. عطاني l'avion le courrier électronique, le TGV, le portable, le tramway, le fax. Dans les tableaux, fait des moyens de communication, des moyens de transport. Moyens de communication, des moyens de transport, النقل. 4. Relève dans le deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, une expression équivalente à autrement dit. Ça veut dire مرادف عبارة عندها نفس المعنى le autrement dit. C'est bref le deuxième paragraphe. نزيدو نشوفو الأسئلة. La question numéro 5 عطاني جملة. Grâce aux progrès scientifiques et techniques, l'humanité a réellement franchi un pas gigantesque vers la modernité. Donc, هاد la phrase قالك souligne l'expression de la cause dans cette phrase. Je souligne l'expression de la cause في هذه la phrase. نروح la question 6. L'homme a profité du progrès de la science. Dis à quel temps est le verbe de cette phrase
puis dans son infinitif. يعني مشي دائما يقول لي conjugue les verbes. ينجم يقول لي يعطيني le verbe اللي هو à profiter. قال لك le temps de conjugaison فاش راه مصرف وعطيني l'infinitif تاعو. Très bien. 7. Réécris la phrase en remplaçant ces nouveautés technologiques par le progrès. Ces nouveautés technologiques sont devenues très importantes. Donc, هذه ces nouveautés technologiques بدناها بلو progrès. On commence la phrase تاعي. 8. Propose un titre au texte. Propose un titre au texte. أعطي عنوان للنص. Très bien. روحوا دروك رابط صفحة الفيسبوك. شوفوا الموضوع حلوه. وعاودوا شوفوا الحل مع أم يقين والشرح طبعا. Alors, les réponses. قال لك la première question. De quoi parle-t-on dans ce texte? Nous قول. Dans ce texte, on parle du progrès scientifique. رانا نهضروا على التطور العلمي. Progrès scientifique. ننجم ندير progrès scientifique et technique. صح. Deuxième question. Vrai ou faux? قال لك le progrès de la science nous a facilité la vie. تطور العلمي سهل لنا الحياة. Vrai. صحيح. Les moyens de transport sont de plus en plus rapides. Vrai. كيما le TGV il est très rapide. كان عندنا train شوية. الحمد لله ومن بعد داروا tramway TGV حاجة سريعة جدا. La phrase C. Les moyens de communication nous ont éloignés l'un de l'autre. C'est faux. Parce que هنايا قال لك les moyens de communication nous permettent d'être en contact avec nos proches. يعني ما بعدناش على الأقرباء. لا عطانا نولو بالتواصل الأقرباء تاوعنا. N'importe quel endroit du monde en un instant. في تانية. نكونو في تواصل مع الأقرباء تاوعنا. يعني ما بعدوناش. Les moyens de communication nous ont pas éloigné l'un de l'autre. Donc c'est faux. Donc vrai, vrai, faux. عليها تلت نقاط. حسبوا النقاط تاوعكم. Le tableau, les moyens de communication, وسائل التواصل, عنا le courrier électronique, عنا le téléphone portable, عنا le fax. هادو, c'est des moyens de communication. Des moyens de transport, وسائل النقل, عنا l'avion, عنا le TGV, عنا le tramway. Très bien, le train grande vitesse normalement. La question numéro 4, elle relève du deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, les Huawei mène le progrès scientifique. Une expression équivalente à autrement dit. حنا نعرفوا بلي autrement dit واش تعطينا تعطينا la reformulation. Ou l'expression اللي عندها نفس المعنى مع autrement dit هي c'est-à-dire. Donc c'est-à-dire هي l'expression équivalente à autrement dit. لو كان قال لي relève du texte une reformulation نكتب لها هادي كاع. Voilà. Donc autrement dit égale c'est-à-dire. 5. Attendez une phrase où Galli souligne l'expression de la cause. Grâce au progrès scientifique, l'humanité a réellement franchi un pas gigantesque vers la modernité. Donc l'expression de la cause, on a fait grâce à, on a fait à cause de, on a fait parce que ou car. On a grâce au progrès scientifique. Hadi, il y a l'expression de la cause. بفضل التطور العلمي. هذه السبب l'expression de la cause qu'on a souligné grâce au progrès scientifique. 6. عطانا le verbe à profiter. À profiter واش عندنا عندنا avoir au présent plus le participe passé du verbe profiter. هذا c'est un verbe du premier groupe على داك er رجعناها e. Donc هذا le temps اللي fait avoir au présent plus le participe passé c'est le passé composé. Le passé composé. L'infinitif, c'est profiter avec ER. Jbednaha men ehedi dna ER. Très bien. 7. Galaxy, nouveauté technologique, aoudouha, bleu progrès. Si nouveauté technologique ou l'être sans. Sans, c'est le verbe être, ma devenu, sans devenu. Hneya, c'est le passé composé du verbe devenir. Donc, hneya, washindiro, sans tous les E, devenu. قلعنا ES ou let U. علاه قلعنا E parce que le progrès c'est masculin ou قلعنا S parce que c'est singulier. Donc, est devenu très important. Le progrès est devenu très important. Terminal, la question 8. Je propose un titre. Le titre dit le progrès scientifique ou let dit le progrès scientifique et technique. Donc, هذا هو العنوان اللي نقدروا نحطوه
للنص تاعنا. دونك فوالا وصلنا لا فان دو لا فيديو. هنا علاه ما درتش برودكسيون اكريت باسكو راني حاطت لكم كاع لي برودكسيون اكريت تاع بروميير اني سورتو تاع البروغري سيانتيفيك لو تيليفون بورتابل لورديناتور وكاع سي بور سا مبغيتش نعاود نكتب. دونك فوالا وصلنا لنهاية الفيديو. إلى عجبتكم مادابيكم لايك و بارتاجي و ابوني و نشوفكم تري بيانتو في فيديو جديده.